Dans son épicerie italienne, Vikend Emirjian vit une deuxième carrière professionnelle. Bien sûr, et ici c'est avec de la sauce pesto, avec aubergine et courgettes. Cadre supérieur à Rungis pendant 15 ans, il perd son emploi en 2011 à 40 ans. 40 ans, un bel âge pour tenter une nouvelle aventure, celle de la création d'entreprise. Un an de chômage et d'accompagnement avec la Caisse des dépôts et consignations. À la clé, un prêt de 10 000 euros à taux zéro, un premier coup de pouce pour acheter les chambres froides et les vitrines, mais aussi pour gagner la confiance des investisseurs. C'est le fait que le NACRE m'ait octroyé ces 10 000 euros. Ce prêt a déclenché un prêt plus important auprès de ma banque. On vous reçoit d'une autre manière. Les établissements bancaires sont conscients que vous êtes passé devant un jury qui a passé votre projet au crible. Donc voilà. Depuis 6 ans, le dispositif NACRE a vu la création de 80 000 entreprises et porte 20 000 projets par an. À l'origine, le dispositif devait accompagner les plus fragiles. Aujourd'hui, moins d'un bénéficiaire sur trois est un chômeur de longue durée. Mais le taux d'échec des entreprises aidées est faible, seuls 17% ferment dans les 3 ans. Il y a des porteurs de projets qui ne pérennisent pas leur activité à l'issue de NAC, mais qui sont réinsérés durablement sur le marché du travail, 10 à 15% d'entre eux. Ça veut dire que l'expérience de la création d'entreprise, c'est quelque chose qui peut être valorisé auprès des employeurs. Les résultats encourageants du dispositif ont poussé le gouvernement à augmenter le volume d'aide. 5 500 entreprises supplémentaires seront accompagnées.